Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez retrouver vos photos et vidéos supprimées ou purgées sans utilisation d'application ni de logiciel en utilisant soit votre téléphone Android ou iPhone ou votre PC d'une manière simple, rapide et efficace. On se rencontrera juste après la petite pause. Alors, par erreur, vous avez supprimé vos photos ou vous les avez tout simplement purgées et vous souhaitez les retrouver. Même chose pour les vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer une manière très simple, sans utilisation ni d'application ni de logiciel professionnel pour retrouver les photos supprimées ou purgées rapidement. Pour ce faire, vous allez lancer le navigateur Chrome. Après, cherchez Google Photos. Alors ici, vous allez cliquer sur les trois points ici et vous allez activer de vos versions pour ordinateur. Cliquez sur Google Photos ici. Après, cliquez sur Get Google Photos. Et voilà la magie. Toutes vos photos et vidéos, vous allez les trouver ici. On va faire un exemple. On va prendre une photo et on va la supprimer de notre appareil et on va voir est-ce qu'on peut la retrouver ici ou non. Prendre une photo. Celle-là, la photo a été prise. Alors pour la retrouver, je vais aller dans Galerie. Voilà la photo, je vais la sélectionner et après je vais la supprimer. Supprimer. Maintenant, on va revenir dans Google Photos, vérifier est-ce que la photo existe toujours ou elle a été supprimée. On revient sur Chrome. On appuie sur Get Photo et comme vous remarquez, vous avez ici aujourd'hui et voilà la photo qu'on a. Et après supprimer, bel et bien, elle existe encore. Ainsi, à partir de maintenant, vous n'allez jamais perdre vos photos et vidéos que vous allez supprimer par erreur ou par une autre manière. Mais pour être sûr de ne pas les perdre, il faut activer une petite option. Vous allez tout simplement sur Paramètres de votre téléphone, chercher Google, appuyer pour accéder. Ici, vous allez dans Tous les services. Cherchez sauvegarde, appuyez, n'oubliez pas d'activer devant sauvegarde Google One, scrollez, donc il faut vérifier sauvegarde photos et vidéos, donc cliquez dessus et activez devant sauvegarder les photos et les vidéos de cet appareil dans votre compte Google. À partir de maintenant, vous n'allez jamais perdre vos photos ou vidéos supprimées par erreur ou par une autre manière. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos.